Allez, les gars, pays, Eric, bouge-toi, là. Théo, range tes affaires, allez, on y va, les gars. On n'est pas payé pour enfiler des perles, ici, hein. Je vous le dis, moi. Je m'appelle Morgane et je suis en terminale bac pro chaudronnerie au lycée Adam de Craponne. Durant mon stage passerelle en second, j'ai réalisé un manche debout pour une commande client. Il y a pour base un fût à métal de 220 litres où nous y avons ajouté des pièces découpées à l'aide de la plasma. Cela m'a permis de découvrir le bon fonctionnement des machines et de me projeter dans le métier de chaudronnier. Voilà, moi c'est Jean-Lorenzo, je vais vous présenter mon arbre à bijoux qui est constitué genre d'un plat à disque de trois pieds qui sont là, de genre plusieurs branches tordues. Comme outil, j'ai genre utilisé le marteau, le poste à souder et la cisaille à levier. Et cet objet va servir à ranger ses bijoux et à genre les mieux tenir. On a choisi ces métiers parce qu'ils sont pas assez connus pour moi. Et pas assez mis en avant. Et puis parce que aussi ils sont quand même divertissants selon ce qu'on fait. Voilà, parce qu'on part de matière brute pour arriver à des produits utiles, beaux visuellement, et c'est hyper gratifiant d'avoir ça. Et pour la suite, grâce à cette formation, on aimerait bien monter notre propre entreprise. Voilà. Bon, allez. Nous vous présentons l'objet seconde vie. Nous avons assemblé plusieurs éléments improbables trouvés dans une benne à ferraille et une déchetterie. Du coup, nous avons eu l'idée de fabriquer un monument de plantation par lequel nous recyclons un banc de musculation et des extincteurs. Tout ça afin de donner une seconde vie. Nous avons dégoté de vieux fer à cheval pour orner et rendre un clin d'œil à la Camargue et à la Provence. Ainsi, nous avons effectué les travaux de soudure sur le châssis principal et nous allons fixer le reste des éléments par boulonnage et rivetage. Cette seconde vie va être installée dans le jardin Pichoun, à l'école primaire de Saint-Martin-de-Croix, dans le cadre du recyclage et pour y mettre des plantes de notre région et pareil de notre belle province. La presse plieuse, qui est cette machine, est une machine à commande numérique qui permet de faire des séries de pliages plus ou moins complexes. Elle est très précise et elle permet d'être très efficace aussi bien pour les côtes que pour les angles. J'ai choisi de m'orienter sur cette filière car j'ai eu la chance d'effectuer un stage d'observation d'une journée chez Evangelista à Gardanne et j'ai également la chance d'avoir un grand frère qui exerce dans ce métier. Par la suite, je compte travailler dans les bureaux et j'espère que je pourrai diriger des grands chantiers à l'étranger comme le fait mon grand frère. Mais qu'est-ce que tu fais, mon chef? T'as oublié qu'on devait faire l'assemblage? Mais non, on a commencé par l'étude de plan avant, tu te souviens vraiment de rien. Mais non, on a fait le rond carré d'abord. Mais non, on a commencé par les débits quand même avant, Bobby. De quoi, les débits? Oui, on a coupé fer plat avec l'acier à ruban. Ah oui, c'est vrai, on a fait les débits pour pouvoir faire l'assemblage puis souder. Exactement, maintenant nous pouvons enfin le livrer, mon loulou. Non, mon chef, il manque les finitions. On le livre après les finitions, alors? Ah bah oui.
Oh, mais c'est pas l'heure de la pause? Ah, je me disais bien. Eh oui. Allez, viens. Je m'appelle Eric, et moi je suis dans cette filière dans le but d'être ferronnier. Donc ce qui m'a plu, c'est que si on est bon dans notre domaine, on peut partir travailler à l'étranger ou dans d'autres pays. Moi, mon rêve, ce serait de travailler en ferronnerie au Japon, par exemple, pour fabriquer des voitures de luxe ou des japonaises. Et puis moi, j'ai eu un parcours un petit peu spécial, parce qu'à la base, j'étais en seconde professionnelle, une autre filière, j'étais en bac pro commerce. Et puis j'ai totalement changé via mon cousin, parce qu'il m'a montré la ferronnerie, et ça a été tout de suite le régal. Un projet de cette année, là. C'est un four à pizza, donc là ici on a les plans, donc les différentes parties, voilà, pour les développer, etc., pour après fabriquer. Et ici on a le plan 3D, donc voilà, ça va nous donner l'aperçu du four une fois qu'il sera terminé. TSCI, rassemblement! We want you for metal worker! Fin de tournage!